Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était le Kino, il s'agit de l'épisode numéro 6 de Unbound Worlds Apart, aussi appelé Ouah. Merde, j'ai pas le pointeur, il faut... Voilà, c'est bon. Alors, nous en sommes presque à la fin. Si j'ai bien compris, nous en sommes presque à la fin. Nous savons où aller pour aller à la fin. Il faut aller dans l'autre monde et tout à droite, donc pas ici. Mais il nous reste, on va les compter. Il nous reste 1, 2, 3. 3 villageois à sauver. Je pourrais trop faire la voix d'un bot. Il vous reste 3 villageois à sauver. Coucou Aaron, bienvenue. Coucou la VOD de la part de Frix et d'OSC. Courage, plus de 15 ans pour finir le jeu. Mais non, on va y arriver. Donc il nous reste 3 villageois. Frix est content. Nouvelle commande. Il nous reste 3 villageois. Sachant qu'on sait qu'il y en a un ici. Et la dernière fois, on s'était dit que... on sait pas comment ça marche pour aller le chercher. Eh ben je sais en fait. Je sais, j'ai regardé la VOD et j'ai vu un truc que vous allez voir. Il y a un bloc qui bouge et il faut prendre le bloc, je pense. Autrement, les deux autres, ben je ne sais pas. Sauf que j'ai appris un truc aussi, pareil, en regardant la VOD. C'est que il y a des villageois aussi dans Umbera, dans la troisième zone en fait. Les espèces de spectres, ce sont des villageois. Donc en fait, je pense que... Alors, normalement, l'achievement... Je monte les achievements, je pense que là, à ce niveau-là, ça spoil plus. Voilà les achievements que nous n'avons pas fait. Sauver tous les villageois, donc on l'a pas fait. Sauf chaque villageois de la forêt, chaque villageois du désert. Donc, forêt et désert, c'est les deux premières zones. Et ça veut dire que... on a au moins un villageois dans chaque première zone. Et peut-être dans la dernière. Donc, a priori, ça veut dire que il n'y en a qu'un ici. Il ne peut pas y en avoir un autre, parce que ça voudrait... Ah si, remarque, il pourrait y en avoir un autre. Il pourrait y en avoir un autre, en fait, j'ai rien dit. Je dis de la merde. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a, tout fait, en fait. À part là, peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, bref, on va retourner voir ici. Et puis on va essayer, on va passer une petite heure... à essayer de récupérer le reste des villageois. Et puis après on ira vers la fin, tant pis. Hein. C'est juste pour un achievement. On s'en fout un peu au final. Mais bon, comme ça en plus ça me remet en jambe. Alors on a un double saut. On a aussi 1, 2, 1, 2. On a 2 dashs, voilà. 2 dashs, 1 double saut. Et on peut aussi grimper au mur. Là, on n'a pas de portail. Okay. Alors. J'étais persuadé que c'était... Ah, c'est ça. Ok, on va aller voir. Parce qu'en fait, là, il y a un portail. Et... le cube, il monte. Mais il explose à l'arrivée. Ou alors il y a un truc que j'ai pas capté. Qu'est-ce que j'ai pu capter alors? Est-ce qu'il faut peut-être faire ça?
faut peut-être faire ça. Parce que je suis certain d'avoir vu le cube partir à droite. Je sais juste pas comment faire. Cette forêt est très grande. Et oui. Ok, donc c'est pas ça. Je suis persuadé d'avoir vu le cube partir à droite. Mais là... Et on peut pas l'amener. Que je voulais faire. Est-ce qu'il y aurait un autre truc? Ok. Parce qu'en fait, je vous montre. Ah, et le villageois, il est là-haut, en haut à droite, là. Vous avez dû le voir. Voilà, et c'est impossible de... Là, vu comme ça, on peut pas se le faire. Et on n'a pas de portail ici. Pour avoir le portail, il faut absolument passer là. Et... Ah, est-ce que... Non. Oh. On peut pas se barrer. Ah. Ouais, bah oui. Yes! Ah, oh, j'ai pas compris. Mais c'est ça. Yes! Ah, j'ai pas compris. Ah, comment... J'ai pas compris comment faire. Mais j'avais bien vu sur la VOD. Ok, donc ça veut dire qu'il nous en manque plus que deux. Alors, on va essayer de faire les choses méthodiques, de façon méthodique. Là, il y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Tout ça, c'est visité. Ça, c'est visité. Là, pareil. Le violet, c'est bon. On descend. Le blanc, c'est bon. Le bleu. Il n'y a rien. Ça, c'est fait. Là, il y a un truc chelou, mais... Là, on avait testé, on peut pas y aller. Là, non. Là, non. Ok. Et le rouge. Donc, le rouge, c'est ici. Hein. C'est tout. S'il y a quelque chose ici, c'est là. Je sais pas trop où c'est le mieux. On va aller voir là-bas. Je peux changer la commande s'il faut. Ok. Ça va sinon, Aaron. Mais alors, est-ce qu'on a eu l'achievement là pour la forêt? Peut-être. Allez. Dis-le-nous. Dis-le-nous le jeu.
Non. Donc ça veut dire qu'il y en a encore, il y en a encore un ici. C'est ça la forêt. Donc ça veut dire qu'il reste, il reste un truc ici. Ok. Ok. Ah. J'avais oublié cette histoire. Non. Est-ce qu'il faudrait même pas que je fasse par là? Ah mais non. Voilà, tous les coups. Tous les coups, il y en a un là. Ok. C'est pour ça que j'avais oublié en fait. Quand on touche le bloc, ça part comme ça. Putain! J'ai pas compris pourquoi. Genre. Ah oui, ok. Oh putain! C'est à peine lourd. Non bah oui mais non super. Ok. Ah. Ok. Il fallait le. Je pense qu'il fallait le bloc jusqu'au bout. Non. Ouais. C'est ça. Fais chier. Ok, pas grave. Merde. Eh merde. On va voir s'il y en a pas un autre qui arrive. J'ai un gros doute quand même. Ah non, parce qu'ils vont, ils vont monter tout en haut. Ils vont exploser, ok. Ok, faut pas le lâcher. Ah, oh, pourquoi il monte là? Ah, parce que... Parce qu'il sort du... Ok, c'est pour ça. C'est moi qui suis con. Yes! Wouhou! Ok, donc là, achievement? Yes. Ok, donc la forêt, c'est bon. Coucou Avia! Comment ça va? T'as la bourre? Donc, ça veut dire qu'on a fini la forêt. Merci l'achievement. C'est-à-dire qu'ici, c'est complètement fini. Donc maintenant, il faut qu'on aille. Sanaria. Donc potentiellement, il en reste un à Sanaria. Ou alors, il y en a dans Umbera. Puisque, comme je l'ai vu là sur la VOD, les spectres de Umbera compte pour des villageois en fait. C'est pour ça que à un moment donné on avait l'impression qu'il y avait beaucoup trop. Je pense que c'est là. Hein. Je pense que c'est là ou là quoi. Il n'y a pas photo. Et coucou Dropy. Potentiellement là. Potentiellement là aussi.
Ouais, non, on avait essayé là. Enfin... Ça, c'est le portail pour Umbera. Coucou Mishmush. Ah ouais, les Worlds Apart. Ouais. On en a déjà parlé, forcément. Donc c'est là-haut, en fait, mais on avait pas trouvé comment faire pour y aller. On va aller regarder aussi, voir si dans Umbera, il n'y a pas des trucs plus évidents, en fait. Alors. Ah bah oui. Éclat d'Umbera. Ça, on n'a pas trouvé. Donc c'est peut-être ça en fait. C'est ça, c'est les éclats d'Umbera peut-être. Ouais, mais non, parce que ça veut dire que. Ça veut dire. Que du coup, on aurait eu l'achievement. On aurait eu l'achievement. C'est quoi l'autre? Merde, ça on les a déjà. Sauver chaque villageois du désert. Donc ça veut dire qu'il y en a forcément un dans le désert. Mais là, il y a aussi plein de trucs, on dirait quoi. C'est ouf. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'on n'a pas trouvé. Il y a une heure, je me dis, je vais vite faire installer mon Chromecast sur la tablette. Image, 5 minutes, 55 minutes pour avoir le son. Le son s'est activé de lui-même. Il devait avoir pitié l'utilisateur, trop noob, lol. Question qui fâche, comment tu t'en es sorti avec Star Trek 25e anniversaire. Avec le générique. Voilà, comme dit Avia. On a... J'ai pris mon temps. On s'est fait chier, quoi. Mais au final, c'est passé. En fait, j'ai dû recharger au plus tôt pour pouvoir faire la sauvegarde pile au début de la rencontre, pour avoir plus de temps. Et j'ai remarqué aussi que quand je reculais, les vaisseaux avaient tendance à se foutre devant moi, donc c'était plus simple pour tirer. Puis après, de la chance, quoi. La chance. Gros coup de chance, je pense. Enfin, il y a beaucoup de YOLO dans cette histoire aussi, quoi. Ah ouais, là, il y a... Voilà. On n'a pas été par là. Pas été par là, il faut faire tout le tour par là. Et donc ça, c'est la fin du jeu, elle est là. Ok. C'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est pas fait. Là, c'est pas fait, là. Je sais pas pourquoi c'est pas fait, là. Fait, là c'est pas fait là. T'as les citoyens. Bah oui, alors bah attends, il nous en reste plus qu'un. Avia. La souffrance, la rage, Satanas réveillé, ouais c'est ça. Il nous en reste plus qu'un. Avia, et je sais pas où il est. Donc est-ce que. Tiens Avia, est-ce que toi t'es motivé pour aller regarder sur le net? Pour voir, parce que normalement, il devrait y en avoir en fait, encore, merde, il faut que je me barre, il devrait y en avoir encore plus, en fait la technique pleine vitesse, quart d'écran, c'est vision full screen, tu vas plus loin dans l'écran, donc les vaisseaux ne touchent plus, ah lol, d'accord, oh là là, ah oui c'est bizarre, donc tu pouvais réparer tranquille, d'accord, ok. Compris. Alors ici là, dans Sanaria, je veux savoir comment faire dans la zone bleu clair pour aller là-haut là. Je veux savoir s'il y a des villageois là en fait. Si quelqu'un est motivé pour aller regarder une vidéo, je vais me téléporter ici. Et puis on va retourner voir. Tu check, ok, merci. Donc je te remontrerai. C'est le.
C'est le donjon en ruine, le nom du téléporte. Mais bon. Bon app, Mishmush. Allez. En attendant que tu checkes, et ben nous on va monter. Je crois que c'est chiant. Ah, peut-être qu'il faut parce que là on a pas de portail. Si je vais là. Ouais, non. Un portail là. Ouais, non. Oh, j'avais oublié cette connerie. Ah merde. C'est vrai. Et toi tu veux rien. Ah, ok. Ah oui. Je sais pas si c'est... Non. On s'en fout maintenant. Voilà, la question c'est comment faire pour aller là-haut là. Ou alors là. Merde. Vu qu'on n'a pas de portail... Là c'est fermé. Peut-être un truc à faire avec ça là. Ah ça je peux pas monter dessus, ok. Merde. On avait réussi à monter tout là-haut. Que je passe par là et que de l'autre côté je pourrais sur ta map on voit plus de citoyens. Non pour là y a, on voit pas en fait. Il faut que je sache ce qu'il y a là quoi, s'il y a des trucs, enfin, ou alors comment y aller en fait. À la limite je m'en fous de savoir ce qu'il y a, mais on voit bien qu'il y a des couloirs quoi. Et non j'ai plus de citoyens sur la map. Tu les vois sur la map que quand tu les as localisés. Tu vois, s'il y en a un qui est caché là, je le saurais pas en fait. T'as pris une screen, ok, cool. Je me demande si je peux pas arriver par l'autre côté, comme ça là. On va essayer. Normalement tu dois, ouais, normalement ici il y a bien quelqu'un qui a une vidéo qui fait une... Ah ouais non on peut pas y aller par là. Ah ouais non on peut pas. On peut pas. Heureusement qu'il y a les téléporteurs, oui c'est clair. Faut pas aller à gauche là. Ou alors, on peut pas ramener le bloc quelque part. Oui, non, enfin, on pourrait le ramener, mais... Hmm.
Je vois pas trop comment on pourrait faire pour aller là-haut. Utiliser le bloc pour sauter. Ah oui, non mais je cherche à l'amener ailleurs le bloc. Et là, j'ai pas besoin du bloc limite, tu vois. C'était pas... le but c'est pas d'aller là. Le but c'est d'aller... Je vais te montrer. Je vais aller là-haut là. Je vais aller là-haut. Monter là. Ou alors de l'autre côté. Merde. Ou alors là-haut. Mais... On a ni portail, ni bloc. Donc je vois pas trop comment faire. Et je me dis, si ça se trouve, on peut choper un portail en faisant le tour, mais c'est bloqué là. On a réussi à aller là-haut la dernière fois. Je peux pas. Non, je peux pas m'agripper là-dessus. Ah, on dirait qu'il a une espèce de pierre le centre. Je sais pas pourquoi ça m'avance, mais bon. Donc, ouais, à moins que Avia trouve un truc. Autrement, je vois vraiment pas quoi. Mais visiblement, il nous manque des villageois dans le désert. Enfin, et vu qu'il y en a plus qu'un, le dernier villageois est fatalement dans le désert. Il n'y a même pas... il nous manque un villageois. Et en plus... Il nous manque l'achievement sauver les villageois du désert. Donc, fatalement, le villageois qui nous manque est là. Sanaria, c'est le désert, en fait. Et vu que... La zone où je suis, là... C'est... Il y a deux endroits qu'on n'a pas découverts... Je me dis que c'est fatalement là. Après, il y a peut-être d'autres endroits. On va regarder rapidement. La zone violette, c'est bon. Le reste de la zone bleue, c'est bon. La zone verte, c'est bon. La zone blanche, c'est bon. Cette zone bleue claire, là. C'est bon, à part peut-être là. Non. Non, on voit que ça continue. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, peut-être en haut. Mais je crois qu'on avait essayé la dernière fois, on peut pas sauter aussi haut. Là on dirait qu'il y a une crotte, mais bon, peut-être un passage secret, je sais pas. Là ça a l'air d'être bon. Aussi. Là aussi. Là, c'est que les trucs en hauteur, très très haut. Tu peux dézoomer sur Sanaria complet. Ok, attends deux secondes, je vérifie. Là aussi, là aussi. Donc ouais, non, il y a que... Voilà, je peux pas dézoomer plus que ça, Avia. Ça, c'est le début de Sanaria, c'est le téléporte. Tu vois, c'est juste, juste au début, en fait. Et après... Sanaria, ça continue comme ça. Ça monte. Ça s'arrête là. Ça te va? Ouais, ma vidéo fait pas ce passage. Ah merde! Merde, c'est dommage. C'est tout broche! Alors, on a vu qu'il y avait potentiellement des passages secrets. Pas là. Plus sur la longue colonne. Ah, il... Le gars, il est là. Là-dessus, ouais. Il
Mais on ne sait pas. Cherche autrement par location, citoyen. Alors, peut-être, là, le nom du téléporte, c'est le donjon en ruine. Peut-être que ça peut aider, je sais pas. Franchement, je suis en train de me demander comment on a fait pour aller là. Je pense qu'en fait... Merde. Je pense qu'en fait... Le... Ça, c'était pas écroulé avant, en fait. Je vois que ça. Là, on a réussi. On a été. Et là, c'est bouché. Il y avait un villageois ici. Forcément, il n'y en a plus. T'as un 100%? Ah, yes. Yes, yes, yes. On réfléchit ainsi. Peut-être qu'il faut... Ça fait quoi ça? Ah oui, c'est juste pour ouvrir ça. Ça change rien. Et je peux pas... Il me faut... En fait, si j'avais un bloc là, s'il y avait juste ne serait-ce qu'un rocher, ça passe. Je sais pas ce qu'il y a en haut. Et on a pas de portail. Il y a pas un... Genre un passage... Oui, qui est pas piquant. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on aurait peut-être moyen de ramener le bloc de pierre, mais franchement... Pierre est tellement abusé. Je suis où? C'est quoi ce bug? Oh non, le jeu... Non. Tiens, au passage, tu te souviens de l'endroit où on arrivait en cube, on était bloqué, on voulait la gravité. Ouais, mais j'ai capté comment faire, en fait. En regardant la VOD, j'ai vu qu'il y avait le bloc, le cube qui montait. Quand on utilisait la gravité, en fait, il partait vers la droite. Et donc, j'ai fait ça en premier, là. C'est comme ça qu'on l'a chopé. Bon. Eh ben, le jeu a planté. On démarre le jeu. Petit saut sur les petites plaques. De quoi là? Il y a d'autres techniques? Alors moi je trouvais que c'était pas mal comme technique, mais peut-être. Mais bon, là, c'est là qui nous intéresse. C'est dommage, il reste plus que celui-là. Franchement, s'il est pas là, je sais pas où il est. Là ou là. Oh, est-ce que... Non. Si on pouvait pas sauter plus haut en s'aidant du mur là. Mais on dirait que non.
Coucou Jim Lao qui fait que passer. Merde, je pensais que ça passerait. Oh non, ça passe pas. Panier par mail. Panier par mail. Mon dieu. What? Yes. Je l'ai pas déjà. Je l'ai pas déjà. Je me dis quelque chose. Je l'ai pas déjà. Attends. Que je vais l'ajouter. Enfin, le faire en live. Je vérifie déjà. Ok, non, j'avais dû le voir ailleurs. Non, 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 je l'ai pas, t'inquiète. Tout va bien. Tout va bien. Jim Lao qui fait un panier, le fou. Tac. Tudu. Oh yeah. Tac. Et tac. Oui, ça bug parce que ça me demande de l'installer. Je sais pas pourquoi, la première tentative d'installation d'un jeu de la journée, ça me freeze le client Steam. Je veux savoir pourquoi. Il monte la bébête. Ruine de truc. Attends. Comment ça? Où ça? Où ça? La bébête. Voilà, c'est sur ta vidéo, ok. Alors, je montre quand même ce que Jim Lao a offert. The Artful Escape. Qui a l'air très très cool. Je l'avais vu, ça a l'air très fun. Ça a l'air complètement barré surtout. Merci énormément Jim Lao pour le panier. Et du français, ouais. Du français, cool. Turox. Faut que je le note. Non, c'est bon, je m'en rappellerai. Ok. Merci beaucoup Jim Lao. C'est en russe sous-titré arabe. Cool. Alors, quelle bébête? C'est genre un truc comme ça. Ah. Je peux pas? Ou alors... Il y a un moment où je peux. Je regarde ce livre sur l'éléphant. Éléphant? Ah, mais c'était peut-être un truc de script qu'on peut plus alors? Oh, si ça se trouve, on peut plus. Oh, mais tu l'as eu. D'accord, ok. T'as Jim Lao? Non, tu connais pas ce jeu, toi, Jim Lao. Que si jamais. Ah oui, non, tu restes pas longtemps de toute façon. On essaye d'avoir le dernier villageois et aucune idée de comment faire pour aller là. Vraiment, vraiment zéro idée. J'ai pas d'autre... J'ai pas de portail. Coucou Poro. Là, y a... non. Ah, je sais pourquoi il y a des crottes des fois. C'est quand je fonce sur un mur et que je meurs en fait, je vois quand même ce qu'il y a derrière. S'il y a un villageois, tu peux monter. Ah oui, c'est logique, mais est-ce que il fallait pas monter avec un script avant? Tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu me parles d'un truc sur lequel il faut sauter, si ça se trouve, ça y est plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par la droite.
C'est juste la technique de la technique. De... Par là donc? Par ici, à cet endroit là? What? Ah, à gauche, ok. Genre là, là? Genre ici, je suis censé monter là à droite? C'est ça? Ouais, je connais Unburn, c'est un jeu avec un petit mage rouge dans la capuche brûle pour une raison indéfinie. Non. Non, parce que des fois, t'aimes bien essayer de voir comment faire pour aller à des endroits et regarder sur le net. Donc ouais, Avia, est-ce que c'est là? Ok, d'accord. Franchement, je vois pas. Je regarde. Merde. Pour le coup, je connais rien. Okay. Je peux pas sauter plus haut que ça. Vraiment, hein? Je vois pas comment il fait, le gars. À moins de se servir d'une façon ou d'une autre du verre qui sort. Tu me dis si tu veux un indice de début et je dirais rien. Bah non, non, si, vas-y, dis tout là. Franchement, dis. De toute façon, ça nous aide pas à finir le jeu, c'est juste pour avoir un achievement, donc ça je m'en fous quoi. On a réussi à faire ce qu'il fallait pour la suite du jeu. Commence par le pouvoir cercle en haut. Mais j'ai pas. J'ai pas de pouvoir, c'est bien le problème. C'est mon gros problème. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de portail. Sinon ça serait simple. Sinon je figerais le truc. Là je fais hop, figer le machin et puis c'est bon. Si lui il a ça, il faudrait savoir comment il l'a fait. Et peut-être qu'il l'a eu, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Peut-être parce que chez lui, en fait, parce que... Lui, là, tu regardes avant. Parce qu'en fait, tu vois là, tu vois l'éboulement qu'il y a à gauche, ça nous bloque le passage. Si ça se trouve, il y a un portail avant qui nous permettrait d'avoir le pouvoir. Mais le passage est bloqué maintenant, quoi. Là, je peux monter. Ouais, mais ici, j'ai réussi, là. Là, je l'ai eu, le villageois, là. Là, on avait réussi. C'est vraiment les deux autres colonnes, en fait. Là et là. Et sans pouvoir. Après, si ça se trouve... Enfin, un portail pour aller là-haut, non, il n'y a pas besoin. Pour aller là, il faut faire ça, rien. Si je le fais bien... Je vais le faire mieux. Je vais y arriver. Ça fait passer le temps comme ça. Ah, pour le figer, ouais. Pour le figer, il faut le portail, ouais. Voilà, j'ai réussi à monter là. Là, il y avait un villageois, mais il n'y en a plus maintenant. Oh, c'est marrant. Ça bug. Ça buguait. Là. Aïe aïe aïe, c'est ouf. Et donc là, j'imagine que c'est pour redescendre, en fait. J'imagine qu'on va monter par là. Il va y avoir un truc là-haut et on va redescendre comme ça.
Mais ouais, à mon avis, c'est plus possible. Hein. Je pense qu'on s'acharne pour rien, à mon avis. Ce qui est dommage. Parce que... Ouais. Ou alors, il faudrait, d'une façon ou d'une autre, récupérer le pouvoir et repasser après, quoi. Donc, il faudrait un truc avec une boucle. Il a le figé plus loin, après, STP aux ruines. Ah ouais, d'accord, ok. Je crois que je comprends. Beaucoup plus à droite. Ok, alors attends. Je me re-TP là. Dans la zone jaune, d'accord. Putain, j'avais même pas pensé à ça en fait. Ok, donc il faut que je monte, pardon. D'accord, merci. Avir. Ça veut dire qu'on peut le récupérer en fait. Après. Donc genre là. Ah, mais oui, parce qu'on peut passer par-dessus. Oh là là. Oh. Merci. Putain, j'avais pas percuté qu'on pouvait faire ça en fait. Voilà. Ah là là. Ah mais non, faut pas mourir par contre. Il y a autre chose après. Ah, je te crois. Voilà. En plus, il y a même une plateforme après. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il y a un villageois. Hein. Lord Bayasson, merci. Deuxième mois de sub, coucou. Et merci beaucoup pour le resub, gros Georges. À toi, Kirox. Merci beaucoup. C'était ça que t'avais vu, hein. Ouh. Un vilain éléphant, ouais. Ah, yes. Wouh. On a tous les villageois. Ouais, trop cool. Eh ben voilà. Ça va bien, Lord Payasson, merci. Parfait. Du coup, on a eu quoi comme achievement? Merci pour... Alors... Bondi par-dessus une porte. Ah... Sauf chaque villageois du désert, sauf tous les villageois. Voilà, tout est fait, tout est bon. C'est bien. On peut se barrer maintenant. Voilà. On peut finir le jeu maintenant. Exactement. Let's finish it. Tout à fait. Alors. Bien. Et merci beaucoup, Avia, d'avoir regardé. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé. En fait, j'ai pas du tout pensé à essayer de garder les pouvoirs. Dans ma tête, les zones, elles étaient bloquées. Genre, pouvoir, c'est pour telle zone et point barre, quoi. Alors, tout ça c'est fait. Enfin, c'est fait. On voit bien qu'il y a des trucs là quand même. Hein. Mais bon, la flemme. Donc là, on doit soit aller là, soit là. On va STP là. On va voir si on peut aller à droite. Je pense pas. On va chercher le villageois en haut à droite, perdu. Pas de gravité. Non, mais on a tous les villageois. C'est bon, il y en a plus. On les a tous. Celui-là, j'ai fait d'une autre façon, en fait. Ok, voilà, c'est fermé. Je l'ai eu comment? Bah, en fait, avec le... Quand tu passes... Quand tu montes dans cette zone-là, il y a un cube qui monte.
Donc, et puis il y a les petites bouboules, donc il faut éviter les bouboules, etc. Et en fait, le cube, il s'explose en haut. Mais si tu fais le tour et que tu passes par le portail là où tu chopes la gravité, eh ben, je sais même pas comment on a réussi, mais en mettant la gravité, en fait, on a réussi à toucher le... Enfin, si, c'est comme ça qu'on a réussi, je pense. Là, en mettant la gravité qui touche le cube, au bon moment, le cube, il s'écrase pas à droite, et il s'écrase pas en haut, mais il va à droite. Et donc là, après, on va vite, vite, vite à droite, on saute sur le cube, et puis on se fait amener directement cadeau au dernier villageois. Merde, je sais pas que j'ai deux. La tête en bas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. La tête normale. Ok. Comment il faut faire déjà? Oh putain, c'est chaud! J'avais oublié. Ah! J'avais complètement zappé. Faut se laisser tomber. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'elle me veut? Voilà. Et on a ça qui fait des plateformes, voilà, c'est ça. Putain. Oh, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Mais on est obligé de passer par là. Ah ouais, y'a pas faute, y'a pas... Hein? Hein? Ah bah oui, si je l'ai... Ah oui, c'est ça. Ah oui, avec le... Il faut le trouver comment faire pour passer le... Là, il y a une espèce de fleur, là, carnivore, où il faut tomber dessus en cube. Sinon, on peut pas passer. C'est ça. Donc, il faut forcément jouer avec ça. Mais... Mais en fait... Ok. Je pense qu'il faut le faire dans l'autre sens alors. Parce qu'il faut faire comme ça. Parce que les... À tous les coups là... Non, toujours pas. T'as la réponse ici, toi. D'accord. Bah, moi, je l'ai pas encore. Par contre, là, on arrive à avoir... Merde.
faut tomber dessus avec, en étant en cube rouge. Mais comment... Ah, parce que regardez, il y a bien un trou là, mais là ça change rien. Je comprends pas, non. Là, je peux plus passer maintenant. Si. Ok. Il faut vraiment la défoncer avec, en étant en cube. Sauf que pour ça, il faudrait réussir à avoir le cube. Oh, attendez. En fait, c'est peut-être une histoire de la con de couleur. Qu'est-ce que je peux faire pour monter ? Là, j'arrive à aller à droite. Je prends le... Je laisse le portail jaune. Ça annule. Là, j'ai le portail jaune et j'ai le portail orange dans le truc. Là, je laisse le portail jaune et j'ai maintenant le portail orange. Parce que le portail rouge, il est là. En fait, c'est ça. On dépose ou on prend. On... Là, je prends le portail rouge. Mais du coup, je peux pas y aller avec le bloc. Qu'est-ce qui se passe si je le prends par l'autre côté ? Ça change rien. Parce que là, je peux rien faire. Là. Je peux absolument rien faire avec ce truc. Ou alors... Descendre avec ? Non. Il faudrait réussir à ce qu'il y ait un portail rouge de l'autre côté. Franchement, je vois pas.
Il y a une astuce. Il y a un truc que je capte pas. Alors là, nous revoilà au même endroit en fait. Et un indice, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose d'évident? Est-ce que je peux y arriver là comme ça en essayant de faire ce que je fais là? Ou est-ce qu'il faut. Il fallait que j'aille chercher autre chose avant en fait, surtout. C'est ça, parce que si ça se trouve, je m'acharne pour rien. Là, on dirait qu'il y a un truc où j'ai pas été. On pourrait peut-être aller là. Ciao, Jim là-haut. Bonne nuit. C'est vrai, ouais, il est déjà 10h en fait. Là, je sais pas pourquoi. Non, il faut réparer le pont là en fait. Là, il faut réparer le pont. Non, alors. Voilà ce que je vais te demander, Avia. Tu vas me répondre par oui ou par non. Reste par là, t'as ce qu'il te faut. Ah, ok, d'accord. Bon, bah voilà. C'était... Donc la réponse était oui. À ma question que je n'ai pas encore posée, mais c'était ce que je pensais. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Mais. Il faudrait faire en sorte que ce portail là en fait. Il soit de la bonne couleur. Alors là. Ah si je fais l'inverse. Je laisse le orange. Du coup j'ai le jaune. Est-ce que je peux repartir ? Avec le jaune, probablement. C'est le seul truc que j'osais pas faire puisque on l'avait fait. Puisqu'on était venu avec. Donc c'était pas logique de repartir avec. D'accord. Ah ! Fucking ! Merde ! Alors on va hein. Parce que là du coup j'ai le orange. C'est ça. Ah ça va peut-être ça. Donc je prends le orange. Le rouge est là maintenant. Et ensuite je vais avec le orange. J'ai un doute quand même. Et non parce qu'on l'a déjà fait. Et là j'ai le jaune. Non je comprends pas. Je comprends pas. Le truc qui m'énerve, c'est que je peux pas passer de l'autre côté. Je peux pas passer par ce côté-là. Parce que le truc est plus bas, j'ai l'impression. Pas le. Pourquoi il y a deux fois? Parce que là j'ai l'orange avec moi. Je prends le jaune. Je dépose l'orange. Écoute, Néor, hein. Ça va, mais je comprends pas un truc. Et ça m'énerve. Évidemment.
C'est rare que je capte pas un truc. C'est gentil, mais disons que c'est rare que... Peut-être tu me dirais que c'est rare que je capte pas un truc et que je reste à ne pas comprendre. Et que même après avoir fini le jeu, ah, j'ai réussi là. Mais c'est les BD, non? Un truc que je comprends pas, toi j'entends que tu le fasses, j'ai ma réponse, je crois. Ouais, ben moi je l'ai pas, quoi. Non, ça c'est pas plus large. Je suis surpris, je me dis là, il va vite fait savoir quoi faire. Franchement! Franchement, il y a un portail jaune, je passe dedans, je récupère le portail jaune. Je l'ai, c'est bien. Et après, je peux passer d'un côté comme de l'autre, mais ça change rien. De toute façon, je vais prendre par la droite. Je passe là, je récupère le portail orange, je laisse le jaune. Un truc de gameplay que t'as oublié, bah... Je sais qu'il faut... Il faut... Flipendo ! Que ça va aider. C'est possible, Avia. C'est possible. Mais pour moi, là, la seule chose logique, c'est qu'il faut que là, le portail... Puisqu'on peut échanger les portails, apparemment, je ne savais pas, il faudrait qu'on puisse avoir le portail rouge ici. Hein? Mais pour avoir le portail rouge ici, bah faudrait le ramener de là-bas. Pour le ramener de là-bas, bah faudrait le prendre là-bas. Mais si on le prenait là-bas, on n'aurait pas besoin de le mettre ici. Et le portail rouge, bah on peut pas vraiment le prendre puisque ça nous transforme en cube. Ou alors, ça veut dire, il est là le portail rouge. D'ailleurs, c'est marrant que les portails ne soient pas affichés sur la map, mais bon. Ou alors, ça veut dire qu'il faut prendre le portail rouge et que d'une façon ou d'une autre, on arrive à revenir ici en ayant le portail rouge. Mais non, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Fucking. Le chat ça me surprend, mais Elkino n'est pas fou. Ça reste encore à voir. Voilà le portail rouge. Donc, là j'ai le portail orange autour de moi, d'accord? Je passe dedans, je laisse le orange, et du coup j'ai le rouge. Et le rouge, ça me transforme en cube. Du coup, ça veut dire que je ne peux plus revenir, parce que j'ai ni la gravité, ni la possibilité de transformer les boulettes en feu. Donc je peux faire ça. Mais... Mais ça m'avance à rien. Mais non. Faut que je me barre avec le cube. Ah non.
Le cube, il se fait twitch sur les pics aussi, quoi. Je comprends pas. Mais oh, si je fais ça. Ah non. Je pense que ça a rien changé. Non, il est toujours jaune là. Viens grogne, mange son mollet, puis sa nuque. Oui, il est souple, lol. Je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire. Je ne vois pas la logique. Même avec le mollet de Avia, je comprends pas. Il y a un passage secret ? Pourtant, c'est un beau mollet. Ah, ça. Faire ça jusqu'à ce qu'il crève. Peut-être qu'il en aura marre. Résume Elkino pour faire le point, t'es sûr d'une chose pour passer, non? Ouais, il faut le cube. Il faut le cube. Je suis quasi sûr qu'il faut le cube. Mais... encore une fois, on peut pas le ramener. Ou alors, j'ai même essayé d'avoir le... d'avoir la gravité en plus du cube, mais c'est pas possible. On a le cube. Et le seul truc qu'on peut faire, c'est... merde. C'est aller là. Enfin... quoi? Gravité plus cube en glitchant. Ah oui, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire. C'est là, je peux faire ça? Mais le truc... ah! Oh, ok, non, ok, d'accord, ok. Oh là là, je crois que j'ai compris. Ok, c'est moi qui suis teubé en fait. Grave. Blackie, bah voilà, il y a Blackie qui arrive, j'ai l'esprit de Blackie qui vient en moi. Et du coup, j'ai compris le puzzle. GG Blackie. Coucou les copains, bientôt la date de sortie des enfers. Bientôt. Coucou Blackie, comment ça va? Ah putain, j'ai compris. Non, sérieusement, c'est débile. Enfin, c'est débile. Donc là, je suis en cube. Enfin. Merde. Ouais, mais ça va pas être facile, hein. Donc, hop. Ok.
ça va pas être simple du tout. Et ben voilà. Putain de bordel de... Maintenant faut que je change aussi. J'imagine, non? Je vais reprendre ça au cas où. Ah, faudrait que je sois tout petit là. Merci. Ah, le tout petit il est là. Ouh putain. Oh putain. Waouh. Ok. Oh là là. Merde. À partir de là, tu sais pas. Bah moi je sais. Enfin. Je vérifie qu'on a bien tout fait, mais... Il y a autre chose là. Ah et maintenant je peux aller activer le pont, c'est ça. Merci. Eh bah putain. Fou. Ça fait plaisir n'empêche. Mais waouh. Waouh. C'était... Ça retournait la tête. Nous voici avec un magnifique pont. Oh oh. J'espère que le boss il va pas être... Je vais au QG et je vais au boss. Laza. Ok. Ah faut passer par là. Non? Ah si, faut passer par là, mais faut chafouiner. Oh là là. Oh non. Non. Non, parce que là, c'est pas possible. Ok, ouais, je m'en fous. Ah non. C'est pas mort là. Ok. On a récupéré ça, mais je m'en fous. Ah si. Ok, j'ai compris. Mais c'est chaud! Mais... Bonsoir à tout le monde, ça va? Ok.
putain. Ok, ok. Oui. C'est chaud quand même. Ok. Oh, alors là, les portails, ils sont... Oh. 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 Ah, ah. Ok, bienvenue sur Ori. Faire la motivation à rester en 2022 apparemment chez... chez moi. Lol. C'est des choses qui arrivent. Il a bon courage. C'est chaud. Oh. Putain, avec la musique qui démarre pas quoi, du coup c'est chiant. Je pensais à Tob Lucky en voyant une vidéo, deux personnes ont fini d'énormes puzzles, genre 1m5, 1m50. Je sais pas pourquoi ils font basculer la table et pas t'être... Oh, c'est pas de bol. Ah, si j'ai des copains qui mettent des coups de pied au cul pour que je me bouge un peu. Il faut, si c'est ce que tu veux. C'est chaud. Ah. Ah mais c'est tellement... Oh non. Oh non. Ok. Allez, on va y arriver. Facile. Facile. Comme moi je me suis inscrit au fitness 24-24 pour 600€. Et moi j'ai pas encore mis les pieds. Oh les boules. Merde. J'étais un peu short là. Ça me donne chaud tout ça. J'ai une année, la séance va me coûter 100€. J'avoue, à force. Jacques Malo qui me renverse. Trois fois ma boîte de piestri, ça met bien le seum. Alors un puzzle entier, oui, ça doit être. Ça doit faire chier. GG, merci. Coucou Kalimoun. T'étais en YOLO. Tu veux dire en lurk? En lurk YOLO? En YOLURK. Un yoler que ça marche. Ok, d'accord. Tranquille. Ah ouais.
J'avais oublié cela. Ah ! Mais c'est quoi ce bordel ? Ok. Pas de problème. Oh la vache. Ah! Oh là là! Surprise, grosse surprise, oh oui! Je sais pas comment on dit. J'ai mis un terme au hasard. Ah, oh, ça marche aussi, hein! Carrément. Je suis incapable de me motiver seul pour une salle de sport. La Zumba sans les copines, c'est vraiment pas pareil. Moi, salle de sport, que dalle. C'est pas possible, je peux pas non plus. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vache. Merde. Panique. Mais si je fais ça en fait, j'ai pas besoin de... Wow. Tu piti. Ah. Aïe, 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 aïe. T'as pris Deliveress Mars. Ah oui, bah, il faut que je fasse Deliveress de Moon, moi. Ça fait longtemps que je veux le faire. Quand j'ai vu Mars, j'ai fait... Ah, oh, Need. Ah, mais il faut faire l'autre avant Elki. Ah ouais, non mais je... Ok, je vais où après, en fait? Je vais où après? D'ailleurs, je commence ce premier Divinity lundi, un stream, ça va être folklore. Ah, GG, encore? Enfin, le premier. Le premier Original Sin ou le premier Divinity de 2000, je sais pas combien, non, de 80, des 80. Ah ouais, non, ok, ouais. Je vois pas. Le premier Original Sin, ok, cool. Ah, je passerai voir, là. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Je sais vraiment pas où aller. Il y a un mur. Et il casse pas le mur en plus. C'est... Non, c'est pas un MMORPG, c'est un RPG. C'est coop, mais. Je crois qu'il défonce en haut, non? Reste dans la sphère verte. Je peux pas, il y a un mur. Enfin, je vais essayer. Sphère verte, elle monte en fait. Ah, je crois, j'ai vu. Je crois que j'ai vu. Il faut que j'aille en haut à gauche. Là? Non? Non.
C'est... Ouais, c'est un tactique... Il y a un peu de tactical. Un peu. Ouais, enfin, c'est 50% de RPG tactique. Fuck. C'est 50% de RPG, 50% de tactique, hein. Un peu. Tu reviens en speed sur la gauche. Ah, oui, c'est peut-être ça, en fait. Non, je peux pas, mais là, oui. Ah! C'est pas fini, hein. Ah, presque, presque, on y est presque. Ok. Checkpoint. Ah, le boss! Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, ça fait quoi? Ok. Ça les brûle, ok. Ah, ça tue les bestioles. C'est trop bien. Non! Et là, tu vois qu'il faut le cube. Non ! Oh ! C'est chiant, par contre. Oh là là ! Oh, ça va être costaud, par contre. Je sais pas si c'est long. Gâteau, c'est pas une référence de Doom. The Cake is a Lie, c'est une référence de Portal. Mais il y a du gâteau, je sais pas. Ah shit, j'ai merdé. Duke Nukem peut-être. Là comme ça là, ça me... Ok. Ok. Ah! Ah, c'est chaud parce que c'est loin. The cake is alive. Ah! C'est ça, d'accord. Plus vite.
Phase 1. Phase 2. Phase 3. Ah, merde, la phase 3. 1. Je me concentre. C'est intéressant comme comme rencontre, je trouve. Ah. Faut toujours que je le retire. Ah, mais je suis con. Merci. J'ai fait tomber mon socle. Boule direct. Allez.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah! Checkpoint, checkpoint, checkpoint! Oh! Non! Je sais pas s'il y a eu checkpoint, je crois pas. Ah, il y a eu checkpoint. Yes. Ok, j'ai encore merdé, mais c'est pas grave. Ça fait quoi, là, ça, en fait? Je peux pas le... Merci, Droppy. Oh, j'aurais peut-être pas dû... Ok. J'ai pas envie. Mais on n'a pas le choix, hein. Aïe! Donc vraie phase 2 en fait, faut que j'arrête de jouer avec le portail, ça sert à rien. J'arrive pas à sauter sur la caisse. Merde. Twista, coucou! Alors, on va réfléchir. Faut réfléchir. J'arrive à sauter sur une et après, j'imagine sauter sur le boss et faire un portail sur ce. Ah, ça les fait monter plus vite! Et les boules, ça les ralentit, d'accord. C'est ça. Il va falloir le faire trois fois à tous les coups. Oh putain. Oh les enflurés. Oh le jeu est tellement sympa. Il y a des checkpoints partout. Ouais ben. Comment ça va Twista? Aïe aïe aïe.
Mais merde! C'est quand même plus simple, Elden Ring. Ouais. Putain, je... Ok. Allez, regardons ce qui se passe. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Je pouvais aller sur le mur, en fait, je crois. Ah là là, j'aille à droite. Ouais, peut-être que je gère par la droite. Oh là là! T'en venais réparer. Apparemment, ce qui a créé la fuite est ressorti après être rentré dans le pneu. Non, je sais pas ce qu'il a créé. C'est pas grave, tout est réglé. Ah, ok, s'ils ont réparé le pneu, c'est que c'était pas très gros, quoi. Ah, ça les fait descendre plus vite, ok. Sa forme initiale, ok. Je savais que t'aurais dû couper plus. T'as raté son coup pour moi. Merde. En fait, j'ai l'impression qu'il va venir. Il va. La tête là, l'espèce de boule de feu, je sais pas quoi. Va aller là où je suis, en fait, j'ai l'impression. Je vois pas trop comment... Pas trop. Comment faire après ? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, j'avais pris de l'avance, donc... ok, compris. C'est chiant. Ah merde, et là, il a... Ok. Ah là là. Faut vraiment que je run de l'autre côté après, en fait. Ce que j'ai fait, là.
What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. D'accord. Ah. Oh putain, c'est chaud. Sauf que ce boss en fait un peu des caisses, je suis d'accord avec toi. Putain, c'est stupide. Je peux pas aller sur les côtés là en plus. Oh mais c'est... Mais que quoi? Heureusement qu'il y a des checkpoints. Hein. C'est chiant là. C'est chiant. Faut que je trouve le truc. Comme ça. Ouais. Cara Freddy, tu peux tuer le boss. Ok, ça marche. Ok, je crois que j'ai trouvé le rythme. Voilà. Ouais, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, t'abuses un peu là. Okay. Non. Piu-piu. Oh, ok. Non, il faut que je dash en plus. Ta mère! Saloperie de crevette là. Ok, le rythme. Pas comme ça, c'est pas en rythme là. Pas bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et non. Ça fait quoi les crevettes si je fais ça d'ailleurs? Ah! Heureusement qu'il y a des checkpoints. En train de me dire se taper tout ça,
en une fois là. C'est le truc pas gérable, hein. Enfin, il y a les gens qui le feraient, hein. Non. Chier. Quoi, l'imode? On dirait du Valfi, mais c'est pas... Pourquoi je reviens? Café Saint-Gibus. Ah. Je savais pas. Ça va s'arracher les cheveux. Oui, un peu, ouais. Un peu. Mais ça va le faire. Je suis confiant. Je suis beaucoup plus confiant que sur Star Trek 25e anniversaire, par exemple. Ouais, c'est de Valfi, c'est bien ce que je pensais. Ça faisait très Valfi. Il a sa patte de singe. Fuck! Je peux faire un truc rigolo, regardez. Ça marchera jamais, non, je le fais pas. Aïe, aïe, aïe. Allez. Au moins, on nous entend crier, on n'est pas dans l'espace, ouais. C'est clair. Elle passe plus la phase 1 de la phase 4. Oh putain. Oh, c'était pas mal là. C'est quoi le pouvoir, les ralentir? Mais ça me trouble plus qu'autre chose. Par contre, faut que j'essaye sur les crevettes. Y a rien de pire que d'avoir le rythme qui change en fait. Après, je peux peut-être essayer, genre. Comme ça. Je sais pas. Ouais, ça peut. Ouais, essayer, tiens. Juste par curiosité. Ouais, enfin. Le problème, c'est que du coup, non. C'est chaud. Voilà. Tout à l'heure, je l'avais bien, mais là. Là, je l'ai plus. Pourquoi? Je vais fatiguer. Voilà. C'est ça. Ah oui, ça les ralentit. Ok, bah, je voulais voir. Bah voilà, j'ai vu. C'est bien. En fait, ça c'est pas bien. Quelqu'un a regardé en place au fait sur Netflix? Ça m'a fait bien marrer, on a regardé ça avec. On a regardé le premier épisode avec Elkinet. Ça c'est sympa. Avec Zaddy. Il me fait marrer ce gars. T'as regardé à bien cool.
putain. T'as skip à des moments, d'accord. Ça s'appelle en place, ouais. En anglais, ils l'ont appelé represent. Je pense que on en est pas loin en plus. Parce qu'on l'a déjà, on lui a déjà pété deux fois son cœur là. Je veux revenir trop tôt, c'est un truc de ouf. Oh là là, la série familiale avec Eric Judor est très sympa. Ah, c'est quoi la série avec Eric Judor, hein? Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Eric, moi. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu. À moins que tu parles de Platane. J'ai toujours pas fini la. J'ai pas vu la dernière saison de Platane. Donc, on l'a en DVD en plus, j'ai même pas vu. J'ai un mat. Voilà! Là, c'est. Putain, c'est énervant. Par contre là, je... Ah, il faut que je reste sur le côté gauche. Oh, ok, j'ai compris. Il faut que je reste sur le côté gauche du pilier. Ok, je suis con, j'avais pas vu. C'est quoi alors le nom de la série dont tu parles avec Eric? Et en fait là, je pourrais rester là, voilà. C'est ça. Putain! C'est pas si compliqué en fait, j'avais juste pas vu. Weekend Family sur Disney. D'accord, ok. Je note. Oh là là! Oh, deux secondes. Et merci. Oh non! Oh non! Pantaleimon! Bah, c'était rapide comme fin. Bon. Aïe aïe aïe. Cool. Il était très cool ce jeu. Très sympa. Très très sympa. Les niveaux. Enfin, les deux temples. Comme mon portail difficile là. C'était un peu frustrant, mais. Merci Twista. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire en fait. On va faire une découverte. Je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Merci Frix, merci Blackie. Merci Avia, merci Dropy. Moment le plus dur pour moi aurait été la montée en zigzag. La montée en zigzag. Ah oui, 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 oui. Grave. Oh, c'était Kickstarter, tiens. D'il y a deux semaines. Ouais, c'était lourdingue, ça. Merci, Tanéor. Ah,
Super musique, super direction artistique. Et ça vaut presque un Ori. C'est pas aussi joli qu'un Ori. Hein. C'est pas aussi maniable qu'un Ori non plus. Mais c'était cool. Oh, il y a G.R. Martin. C'est pas le même. Comment ça, il manque un R? Merci pour eux. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que je vais regarder? J'ai pas d'idée là. On va faire une random découverte. Et la semaine prochaine, je me tâte. Je sais pas si on démarre Sekiro. Ou si on fait un autre jeu un peu pas trop long. Elle me fait peur, je t'avoue, Sekiro. Ori, gros coup de cœur, et les musiques, on n'en parle même pas. C'est clair, Ori, il n'y a pas photo. C'est pour moi un des meilleurs plateformeurs cinématiques. Niveau direction artistique, il est au-dessus d'un peu tout, quoi. Sekiro! En fait, il me fait peur pour deux choses, Sekiro. Il me fait peur parce que c'est un jeu spé parade et que je suis nul en parade, comme je le dis tout le temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un nombre incalculable de gens qui vont passer et qui vont sortir leur science. Mais bon. Ah, vous avez vu le prochain Star Wars a été repoussé là. En avril, je crois. Pas trop repoussé quoi. Sekiro est enchaîné avec Wolong. Lol. Non mais je pensais à Nioh aussi. Parce que Nioh j'avais bien aimé sur. On avait fait la découverte, je pensais que j'allais pas aimer. J'avais trouvé ça cool en fait. On l'avait fait sur PS4. Je sais pas si je l'ai sur PC, je crois pas. Non mais enfin. Mais non, mais avant que tu commences, faut bien prendre un casque mongol pour la bonne fin. Lol. Sekiro, on est quoi? On est début février, on le finit fin mai, quoi. Hein? Qu'un peu de chance. Quoi qu'il y ait des vacances, ça va aider. Je sais pas. Il me paraît vraiment différent des autres Souls et ça me fait un peu peur, en fait. Ça tourne en boucle ou est-ce qu'il y a vraiment 3 millions de backers en fait? Parce que je pense. Hein. On en est au G là. Si je fais ça, ça passe pas plus vite, non. Enfin, on en est au G, mais en même temps, il y a du R, il y a du J, du S. Ok, d'accord. Ok. Ils sont pas du tout par ordre alphabétique en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Sinon, il y a aussi Valfaris. Valfaris, j'avais fait en découverte il y a longtemps. C'est un jeu de beubeu 2D pixelisé. C'est bizarre comme phrase, un jeu de beubeu 2D pixelisé. C'est quoi? C'est un Metal Slug en fait, ou presque, avec de la musique métal. Un jeu de weed, non, de bebe, ouais. C'est un jeu de bourrin. C'est un mec avec un gun qui tire sur des pixels qui explosent en des millions de pixels rouges sang qui dégoulinent partout.
sur fond de musique métal bien vénère. Voilà. Ça, c'est Valfaris. Et je pense pas qu'il soit trop long. Ça changera. C'est un piou-piou, en fait. C'est un piou-piou moitié platformer, quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Il y a du métal, donc ça peut pas être mauvais, ouais. Dans mes souvenirs, hein. Attendez, je vais regarder ma liste pendant qu'on a ça. Jolie petite musique. Trouver ma liste là. Google Drive. Tac. Il y a eu ton nom, elle qui nous remet du début. Non ! Moi aussi, j'en écoute nettement moins que quand j'étais plus jeune du métal. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, oui, il y a aussi Mabel. Je sais pas si vous vous rappelez de Mabel. J'avais commencé ça. C'est une espèce de Metroidvania. Mais. Je l'avais commencé parce que c'était. Bon, je l'avais eu sur Twitch. Sur le client Twitch. Et il était buggé le jeu. On était arrivé, c'était buggé. Du coup, je peux aussi faire celui-là. Y a Ender Lilies qu'on avait fait. Tatwista, toi, tu connais Ender Lilies. C'était un jeu qu'on avait fait, on avait découvert il y a un moment où on joue le rôle d'une petite fille, en fait, mais qui a un fantôme guerrier qui c'est lui, c'est le guerrier qui tape, en fait. C'est assez étrange. T'as fait le début, ok. Mais j'ai un peu peur de la suite, en fait. Il y a Grimm. Pareil, c'était un Metroid. Ah, c'est fini. Oh là là. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Elkino avec l'épisode numéro 6. C'est le dernier épisode de Unbound, A World Apart. Merci beaucoup. Et à la prochaine.